Et bonjour à tous, si vous êtes fan pour une nouvelle partie de Sonic et Sega All-Star Racing, et ce nom est trop long pour le prononcer. Et aujourd'hui, avec... J'hésite. Je vous ai bien eu. Bon, aujourd'hui on va dans la coupe œuf. Composé du château des tempêtes, la forteresse finale, Carnavaland et le casino. Oui, il y a des univers qui sont récurrents et qui font plusieurs circuits. Mais ces circuits sont plutôt diversifiés, ce qui fait que ça va, c'est pas redondant. Oui, très chers fans de course, bienvenue au château des tempêtes où l'ambiance est déjà survoltée. Attention aux œufs, vous pourriez finir en omelette. Oh non, t'as pas le droit de faire quelque chose comme ça. Par contre, j'adore sa voiture, à bit, elle est géniale. Allez, fais-nous danser sur le dance floor. Tails s'envole à la première place. Oh Tails, ça fait longtemps. Allez, c'est parti pour la question de début de vidéo. Mais qu'est-ce que tu penses de Beat? Bah déjà, il vient du jeu Jet Set Radio. J'avais déjà voulu le tester, mais... Mais voilà. Et c'est un personnage que j'aime plutôt bien comme ça. Et l'univers du jeu, il a l'air vraiment sympa. Donc faudrait peut-être que je tente. Oh oh, oh oh, il y a une voiture derrière. Ah, oh, il m'a roulé dessus. Oh le méchant. Oh le vilain, il m'a roulé dessus. Tiens, mange. Tu vas voir. On passe au deuxième tour. Tout est encore possible. Donc Jet Set Radio, c'est un jeu qui a l'air vraiment sympa. En plus j'ai écouté l'OST, il est vraiment génial. Donc peut-être il faudrait que je tente. Docteur Eggman est complètement all-star. Les femmes et les enfants et moi d'abord. Je me demandais aussi un truc, c'est si vous voulez faire des... Que je voudrais... Enfin là. On va remettre à zéro. Je me demandais si vous vouliez peut-être des let's play blind. C'est-à-dire des let's play sur des jeux que je connais pas forcément ou que j'ai acheté, que finalement, voilà, j'ai pas vraiment avancé dedans. Donc du coup, une découverte complète. Ah, ah, c'était quoi ça? Ouais, il y a Eggman devant. Ouais, Eggman, c'est pas commun. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires, ce serait sympa. Parce que pour l'instant, c'est principalement des jeux que je connais ou... Sauf les tout récents que je n'ai jamais fait. Amigo, ça va faire mal. Bon, pour l'instant, c'est tranquille. Y'a personne qui me rattrape. Je suis tellement tranquille devant que ça m'ennuie un peu. J'ai bien mis en difficile. J'espère que j'ai bien mis en difficile parce que là. Vous l'avez passé où votre permis? Dans une maison de retraite? Moi je suis rapide. Le vainqueur est Beat. Et quelle victoire épatante! Ah, je veux cette voiture. Je veux la même. La forteresse finale, l'arsenal démoniaque. Essaie de battre le fantôme contre la montre. Bonjour à tous, chers fans de course. Nous sommes à la forteresse finale, où nous espérons voir les concurrents partir sur les chapeaux de roue.
Évidemment, une forteresse ne serait pas une forteresse sans des robots enragés. I feel like a winner today. 3, 2, 1... Allez. Non, je vais être premier. Tails part. C'est maintenant Biff qu'il faut dépasser. En fait, chaque personnage a son petit message du début de... Enfin, quand il est en tête, au tout début du du circuit. Et en fait, vu qu'il y a principalement que les personnages qui sont avec une bonne accélération en première place, c'est très rare d'avoir les messages des autres concurrents. Donc je suis vraiment content d'avoir pu en avoir un, au moins. J'ai aussi eu... Oulala, c'est bien. Docteur Eggman redescend au classement. Comment va-t-il le prendre? Oh, mais il va bien le prendre, c'est un méchant. Il s'énerve pas du tout quand il perd. Château attend que ça se passe. Attention aux singes. Amigo est en mode All-Star. Oh. Ouais. Ouais, j'ai des maracas sur la tête, c'est trop bien. Ouais, y'a Amigo qui se rapproche, ça fait peur. Et voilà, fini. Non mais là c'est un peu nul. En fait ils en voulaient juste à Oulala. C'est triste. Bon bah, c'est très tranquille comme course. Parlons des choses de la vie. Alors, cette forteresse, elle est cool, il y a plein de métal partout. C'est un peu rouge, il y a des robots qui se baladent. Par contre, ça fait un peu laguer la console. Mais c'est le seul terrain qui fait un peu laguer, c'est juste qu'il y a trop d'éléments en fait. Ouais, go go go, mais les autres ils essayent peut-être même pas de se battre, c'est triste. Bah, je pense que c'est moi. Je suis déjà en première place, y'a personne qui revient. Non, mais là c'est triste. Ils sont à des kilomètres, ils arrivent même pas à me rattraper. Encore Ayaï. Mais il a tout le temps un All-Star. Il a tout le temps un All-Star, Ayaï. Il manque quelque chose à cette course. Ah, de l'action peut-être. Effectivement, il manque un peu d'action. Je suis un peu trop tranquille devant. Allez, hop. Allez, ça passe, ça passe. Oui, ça passe. Ah. Ah là là, c'est tranquille. Je crois qu'on va commencer à déprimer. Il n'y a rien qui se passe. Bon, pour l'instant, c'est tranquille. C'est un peu trop tranquille. Par contre, là où dans Mario Kart 8, les ennemis sont très hargneux, les ennemis de Sonic et Sega All-Star Racing, ils sont plutôt sympas. Ils sont assez faciles à battre. Vous nous rejoignez en direct de Carnavaland pour ce qui promet d'être une course endiablée. Abandonnez-vous et laissez le rythme vous entraîner sur le circuit. I feel like a winner today. 3, 2, 1, partez! Okay. Shadow. Et il s'est pris un mur. Oh le pauvre. Je
Allez, Eggman, essaye de gagner. Ah, c'est bon, je me suis pas pris un ballon. Beaucoup Eggman. Alors, qui est-ce qui va être le suivant comme personnage jouable? Ouais, Eggman il s'est pris un coup. Ouais, mais pour l'instant, ils sont pas très combatifs. Ils sont vraiment pas combatifs, c'est effrayant. Je sais pas, pas un seul coup, rien. Il y a juste Ah! Bien tenté, Eggman. Il y a juste Eggman qui tente quelque chose. Il essaye de passer. Eggman le pacifique. Ah, il s'est pris un ballon, le pauvre. Ah, non, même pas. Ok, bon. Oui, je dis que ça manque d'action, mais je me laisse pas toucher quand même. Hein. Eh, faut pas abuser. Ouais, j'ai eu Eggman. Waouh, c'est violent. Ouah, Beat, il était pas content, il a tapé sa voiture. Ah, là, il se rapproche. Ah, tiens. Une bombe dans ta tête. Ah oui, il y a aussi autre chose avec les personnages. Plus le personnage est rapide, plus il met de temps à faire ses figures en l'air. Donc ça peut vraiment influencer. Ah! Ah, elle m'a loupé! Ah, c'était trop nul! Mais c'est pas combatif là! C'était trop facile! Et pourtant, je suis en difficile. C'est pas possible. Autoroute du flipper. En espérant que ça sera mieux. Sonic a dit faire un dérapage très long pour charger plusieurs fois le super turbo. Un grand bonjour du casino. Les concurrents. Ah, c'est la bonne musique. Rien ne va plus. On devrait appeler ce circuit le flipper, car nos concurrents vont tester leurs réflexes. Here comes the GG. Tester les réflexes avec 3, un flipper. 2, 1, c'est pas bête en fait. Yeah, bingo highway. Ouais, je l'ai gagné aussi vite que je l'ai perdu. C'était terrible. Allez. Voilà. J'ai loupé l'objet. Hey Shadow. Vas-tu battre? Ouais, Shadow il s'est pris un coup. Ouais, y a plein de hurlements derrière, c'est terrible. J'ai entendu Tails qui avait crié. J'aimerais pas être à sa place. Amigo n'est pas là pour faire la fête, ça c'est sûr. Amigo ne retient pas ses coups. Pourquoi tous ces messages pour Amigo? J'existe pas. Bon, en même temps, je fais rien. Il risque pas de dire des commentaires sur moi. Bon, bah, il avance, c'est bien. Allez! Docteur Eggman est devenu All-Star! Docteur Eggman a décidé de passer en mode missile! Non,
Il est pas content. Mesdames et messieurs. Ouais, il est fâché avec Man, c'est terrible. Ah! Qui veut du Eggman brouillé? Oh, c'était pas gentil ça! Ah, là ils sont un peu plus rapides, c'est bien! Allez, Eggman! Yeah! Non, Shadow! Encore un tour! Shadow, il est mort! C'est le chaos le plus total sur la piste! Bah, pas pour moi, moi c'est tranquille! Non, mais c'est tellement simple, en fait c'était juste Oulala qui était maudite! Quand je disais qu'il faisait des jeux de mots. Allez, Eggman. Bon bah Eggman il est KO, non? Il a disparu derrière Tails. Non, il est KO. On en aurait tous les maracas en compote. Allez, c'est presque fini. Et voilà, ce fut une victoire très très facile. Ça doit être tellement ennuyant en fait. C'est trop facile là. Et voilà, tout le monde s'arrête en plein milieu de la route. Les Chouchous sont peut-être pas aussi gentils avec un gros match. Alors, bravo à Eggman, bravo à Billy Joe et à Beat. Et voilà, la coupe œuf est à nous. On dirait qu'il y a une suite à la musique, mais elle s'arrête d'un coup. Bam! Et du coup, bah c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à bientôt tout le monde dans la prochaine partie. D'ici là, portez-vous bien et salut à tous!